Eh bien, salut tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de State of Decay Breakdown, on se retrouve direct dans le jeu cette fois. Le programme d'aujourd'hui pour State of Decay, c'est de explorer plus profondément la troisième ville, pouvoir trouver une base où s'implanter, mais vraiment la trouver quoi, direct, comme ça on n'a plus qu'à aller s'installer. Hop. Vous n'avez pas d'objet sélectionné. Pourquoi il me dit ça? C'est pas grave. Bon, donc j'espère que ça va bien se passer. Faut que je trouve un véhicule qui est un peu en meilleur état que ça, là, parce que ça craint. Ça s'est pété. J'ai pété tous les véhicules, c'est une horreur. Allez, une voiture, là, n'importe quoi. Oh là là, qu'est-ce que je fous? Ah, là-bas, nickel. Bon, j'espère que je vais pas vous paraître un peu mou, parce que je suis... J'ai pas la pêche, en fait. Oh putain, j'ai pas la pêche. Et voilà, je le savais. Oh putain. Il y a encore pas mal de choses à gérer. Et le temps ne joue pas en notre faveur, si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah ça va. Bon, la SMAP. Alors, troisième ville, par là. C'est parti. Donc, ouais, j'ai pas trop la pêche, là. Je sais pas pourquoi. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo de sport. J'ai tourné une vidéo de sport, parce que ça fait quand même un moment que j'en ai pas fait. Et au final, je l'ai supprimée. Parce que après coup, je l'ai regardée, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je bafouille, je parle tout bas, enfin je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas là quoi, donc j'ai préféré la foutre aux oubliettes, et au pire c'est pas grave, je retournerai une meilleure, donc voilà. Là c'est déjà la troisième fois que je tourne aujourd'hui, et il est quelle heure? Il est 6h du mat, je me suis levé à 3h je crois, un truc dans le genre, ouais, à peu près 3h du mat que je me suis levé, donc... Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie. On est là pour explorer la troisième ville. Allez. Un peu plus en profondeur. Histoire de trouver... On avait déjà un peu exploré, hein, il me semble. Site de basse potentielle, voilà. On va aller voir ça. Il me faut 50 matériels et au moins 10 personnes. Donc je vais déjà aller la voir. Histoire de au moins voir à quoi elle ressemble. Rien que aller à l'intérieur, quoi. Ça peut être cool. Alors, je me demande si c'est pas le parc d'attractions. C'est un peu le bordel, cette troisième ville. Hein. Je vous l'accorde. Il n'y a pas de route, en fait, pour accéder de l'autre côté. C'est. Il y a un parking. Oh là. Il y a un parking ici. Passer derrière. C'est bien gardé en tout cas. Oh là là. Donc la troisième ville, la base quoi, c'est ici apparemment. Et ça a l'air sympa. Hein. Ça a l'air pas mal du tout même. Destruction des hordes. Ah, il y a des hordes, c'est pas grave. On peut explorer ici apparemment, d'accord. Donc apparemment la base se trouve ici, dans tout ce petit, dans tout ce territoire là. C'est quand même un truc assez impressionnant. Ouais, faut voir. Faut voir ce que ça peut donner, les places pour construire tout ça. 10 personnes, 50 matériaux, ça va pas être de la tarte. Ça va pas être de la tarte du tout. Donc je me demande... Monte ! Lâche-moi, toi. Donc je me demande si je vais pas plutôt... faire ça, mais... dans un niveau de difficulté supérieur. Pour être sûr de m'installer, quoi. Par exemple, là, le camping-car, il en est où? Je
peux déjà le désinfecter, je vais le faire. Après, il va falloir de l'essence. Il me faut 24 d'essence, hein, je crois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner. Est-ce que je peux passer? Ah, ça c'est galère par contre, on peut pas passer. Eh oui, je suis un putain de pilote. Je vais aller à la station service. Bah, avance! Vache, la voiture, elle voulait plus avancer. Ah, il y a un passage là, nickel. J'ai du mal, hein, franchement, j'ai trop de mal là, je sais pas ce qui se passe. Horde de zombies en approche. Vive les pièges, nickel. Donc on va rentrer, on va aller à la station service que j'ai croisée, là où j'ai récupéré ce véhicule. Ah, et voilà, je parle et je me prends encore un poteau. Enfin, j'ai failli me le prendre. Décidément. Dégage, toi. Donc. Ouais, c'est bon, c'est le pont. J'ai cru que je m'étais gouré de route. Oh là là là. Ok. On tourne. Hop. Allez. Oh, c'est bagnole, putain. Une horde de zombies s'est dirigée vers la base. Allez, vite, faut que je rentre. Il y a du grabuge. Si je suis pas là, ils vont se faire tuer, ces cons là. Allez, vite, vite, vite. C'est quoi ce pousse-pousse là? Allez! Il y a une voiture ici, mais ça c'est super fragile. Donc, ouais. Non, c'est pas une station-service. C'est pas une. En plus, j'ai déjà fouillé en plus, donc c'est mort. Encore une horde de zombies se dirige vers la base. Ouais, ça craint. Alors, eux, mes voisins, là, ils se font attaquer depuis tout à l'heure. Je vais aller les aider parce que là c'est plus possible. Elles sont où les hordes de zombies là? Encore? Attends. Non. Chasse aux zombies. Étranger en danger. Assiégé. Je vais aller aider ceux-là. Tant pis, je pense que. Vive les pièges, voilà. Je pense que ça suffira pour. Ça suffira pour l'instant. Je vais aller les aider parce que ça va me faire des survivants en plus. Ils sont en pleine galère là. J'ai l'impression. Je vais vous aider à barricader. Allez, c'est parti. Combien j'ai de confiance avec eux là? Là, je vois pas encore. Ok, je suis à la moitié de la barre. Ça suffira pas, je crois. Ça suffira pas. En une mission, ça suffira pas, à mon avis. Il va falloir que j'en fasse deux. Préparons-nous, on les aura bientôt rattrapés. D'accord. Oh, ça y est, les voilà. Oh la vache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 zombies qui se ramènent, quoi. Ah non, les autres, ils continuent là-bas. Je sais pas ce qu'ils foutent. Bon, les zombies sont un peu cons, hein, de toute façon, c'est. Le zombie est con par définition. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait de la merde. Oh, oh, oh. De toute façon, faut les laisser rentrer parce que c'est bien beau de barricader, mais faut les tuer. Hein. Chut! Oh putain! C'est un zombie sauvage. Oh, j'ai du bol. Ceux-là, ils peuvent vous buter, mais vous voyez rien venir. Hein. C'est en un coup, quoi. Terminé. Par contre, eux, ils sont complètement. Par contre, le problème, c'est qu'ils sont complètement buggés. Ça va pas être pratique.
Ça va pas être pratique du tout. Ils ont des munitions. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez des munitions. Eh non, ils en ont pas, sinon c'est pas drôle. Ils ont que dalle. Comment tu veux que... Mais what the fuck. Allez, viens des. J'ai acheté des médocs. Hop. Ouh, la morphine, c'est bon ça. C'est bon la morphine. J'ai pas de voiture là. Le problème, c'est que si je m'éloigne de la zone, ils vont. La mission va être annulée en fait. C'est rien, c'est rien, c'est rien. T'en as vu d'autres. Bien joué. Il y en a d'autres qui arrivent. Deux groupes de 5 apparemment. À peu près. Bon, il y en a, ils se barrent là-bas. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ils sont buggés aussi ceux-là. Ils sont buggés aussi, d'accord. Moi, ça m'entraîne au combat. Oh là, il y a du monde, il y a du monde. Mais c'est quoi ce délire? Non, sans déconner, c'est quoi de ça, là? Non mais c'est pas possible. Tu veux faire quoi là? Puis je me fais bouffer alors, forcément. Okay. Ah, ils sont débuggés? Non, ils sont toujours buggés. Et non! Ouais, ça tire chez moi, je crois. C'est pas grave. Ok, il reste plus qu'un ici. Je vais reprendre des médocs encore. Hein, parce que là, c'est pas possible. Hop. Ça, c'est quoi ça? Aspirine. Pff, on va prendre quelques-unes. Hein. Ce sera fait. Codéine, hop, codéine. Bon, je peux pas, aspirine, non. Ça va faire une overdose, sinon. Bon, toi, là, grognasse, dégage. Ouf, la juge, succès déverrouillé. Ah oui, bon. Les zombies droit devant. Fonce dans le temps, on les contourne. Mais on est un peu enfermé, tête de cul. C'est un siège. Voilà, défendu l'enclave, nickel. Ça c'est fait. Alors, barre de confiance s'il vous plaît. Plus 35 de confiance, ça correspond à quoi ça? Ah, presque, presque. On a des ennuis. Comment ça vous avez des ennuis? Base, ressources manquantes, action retardée. Quoi? Mais pourquoi il me dit ça? Un héros a été aperçu. Un héros a été aperçu, faut que j'y aille. Faut que j'y aille tout de suite. Je cherche même pas à comprendre. C'est où? C'est là-bas. Oh putain, un héros a été aperçu. Je sais pas si c'est grâce au succès que j'ai eu. Ça vient de se déclencher. Arme mal utilisée. Il se passe des trucs des fois, mais... Dégage toi. Un héros, un héros, un héros. Ah, fais pas le con. Oh, putain, ça va être dangereux. Infestation juste en face. Ça risque d'être mouvementé. Laissez passer!
Rien t'aider. Voilà. Salut. Juge Constance Lawton. Ouais, c'est grâce au succès. Autocrate avocat, vous devriez nous rejoindre. Passe devant. Allez, c'est parti, on se casse. On fouillera tout ça après. C'est pas un souci. Allez, vite. Ouah, c'est chaud, hein. Allez, tout ce qu'il y a. J'imagine même pas avec une difficulté encore plus grande. C'est chaud bouillant, hein. Allez, zou. On est arrivé. Merci. De rien. Donc c'est une juge. Enfin, avocate. C'est écrit avocate. Ok. C'est déjà ça de pris. Nouvelle tête. Parfait. On est combien, là? On est 10. Eh ben c'est bon ça. Ouais, c'est le nombre qu'il faut pour aller à la troisième base. Donc je vais voir ses compétences. Alors, Constance Lawton. Chercheur bibliothèque. Oh, sûr de soi, marteau de tribunal, fusil de chasse TS-15. Ok. Les compétences. Tir à fond. Recherche 4 étoiles. Celle-là, il faut pas que je la perde. Mais surtout pas. Surtout pas que je la perde. Il faut que je la garde tout le temps. Même s'il n'y a pas de place dans le camping-car, j'en sacrifie un autre. Il me la faut tout le temps. Obligé. Obligé. Donc c'est quoi qu'il fallait pour le camping-car? C'était de l'essence. Malheureusement de l'essence. Oh, vous savez quoi? On va faire ça. Non. Comment que c'est? Besoin de seau. Ah, oh, ça y est, il me demande des trucs pour le camping-car. La tour radio. Tour radio, cache de carburant. Voilà, on va chercher ça. Ça va prendre 10 minutes. Au moins, ce sera fait pour la prochaine fois. Je saurai où se trouve le carburant et je vais pouvoir tout simplement... Ouais, c'est déjà fouillé. Je vais pouvoir tout simplement... réparer le camping-car en entier. Le gun shop, je l'ai pas fait encore. Je vais y aller. C'est plutôt calme dans le coin. Donc, j'ai des avant-postes, donc on va fouiller. On va fouiller vite fait. Et après, on va se séparer ici. Josia a survécu. Oui, bah ça va. Je peux pas tout faire. Que c'est que ça? Fusil Monag. Cette cartouche, très bien. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je sais plus si en partant avec le camping-car, on perd tout ce qu'on a dans l'inventaire. Je sais plus. Ressources de munitions. J'hésite en fait à la... Oh, je vais en faire un avant-poste, tiens. Je vais en faire un avant-poste. Comme ça, ce sera fait. J'allais dire, j'hésite à le casser pour avoir des balles, mais non. Je vais faire un avant-poste, ce sera mieux. Encore des cartouches de fusil, de l'ibuprofène, pourquoi pas. Alors j'ai pas tout fouillé, il me reste l'étage. Attends, on voit rien là. Ouais, un peu mieux. Oh putain. J'aime pas quand il y a des cadavres par terre comme ça. Je le sens pas du tout. Ah, une petite caisse à outils. Y'a quoi de beau là-dedans? Une grenade et un sabre. Wow. Je vais poser... détruire. Tant pis. Poser ça là. Tac, un sabre. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. On a encore deux trucs à fouiller. J'espère que je vais pouvoir tout prendre. Qu'est-ce qu'on a? Encore des ressources de munitions. Donc celui-là, je vais le prendre avec moi. Voilà, une grenade, ça fait deux grenades, c'est parfait. Ici, on a une bibliothèque.
Aspirine, pétard, ouais. Hop, avant-poste. Ça va, une décision importante, faut pas déconner non plus. Voilà, avant-poste munitions, c'est pas très utile, mais c'est déjà ça. Au moins, ça protège un peu cette zone, toute la zone là, d'éventuelles hordes. Donc c'est pas mal. Donc je vais rentrer à la maison. J'ai laissé le véhicule là-bas, c'est pas grave. Je rentre à la maison, je pose mes affaires et on va s'arrêter ici. Allez, courage! Oh, j'ai déjà 11 en munitions, c'est déjà bien. Hop, 16. Bon, je vais poser le fusil là, le fusil, les balles. Hop, ça je vais le poser aussi. Je peux pas ça? Si. Le coup cri. Alors, c'est quoi le plus efficace? Apparemment, c'est le coup cri qui est plus efficace. Je vais poser le sabre. Hop, je pose ça. Les grenades. Ça, je garde. À moins que. Combien on a de grenades là? Ah, 4 grenades, c'est chaud quand même. Ça, c'est des balles de calibre 45. Des balles de calibre 45, on n'en a plus. On n'a plus de balles de 45. Je vais poser ça. Je vais me prendre une autre arme. Je commence à avoir quand même pas mal de trucs, hein. Pouah. 7,62. On a quoi en 7,62? 5,56, 7,62. Ouais. 7,62, 62, balle de fusil de chasse. Ça, 357, on a quoi en 357? On a beaucoup de balles en 9 mm, mais il y a quoi là-dedans? 45, 45. Ouais, bon, c'est tout. De toute façon, on va s'arrêter là. Je verrai la prochaine fois ce que je prends. Donc, fatigué, d'accord. J'ai pas de malade. Tout le monde a. Ah non, lui, il est en mission. En mission à la maison. Maison, 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 maison. Voilà, bon, c'est tout. Ah, on va se séparer là. Je pense qu'on a déjà fait quand même quelques trucs. On a repéré les lieux. On a un héros. C'est pas négligeable. On a un héros. On va bientôt avoir nos trois petits survivants ici. Bah, ça sert à rien d'avoir trop de monde de toute façon parce que bon, je vais bientôt déménager. Donc ce que je vais faire en off, c'est que je vais regrouper de l'essence pour pouvoir déménager. Et normalement, je serai en niveau de difficulté 4. Ouais, niveau de difficulté 4, ce sera encore plus dangereux. J'ai pas fait tous les. C'est quoi ça? Tuer 50 zombies au fusil, ouais. J'ai pas encore fait tous les objectifs. Créer des armes dans l'atelier 5 fois. D'accord. Je m'occuperai aussi de ces objectifs parce que ça peut. Voilà, on débloque quand même des. Voilà, on débloque des héros en fait grâce à ces objectifs. Bon, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. On réparera le camping-car, on passera au niveau supérieur. Et normalement, je pense que ça se passera bien. Là, c'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu trop de fail. Alors, je sais pas combien de temps a duré la vidéo. Hein. Je crois que ça dure un peu plus de 20 minutes. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, bleu, pardon, si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait pour être au courant quand la suite sortira. Et n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. En attendant, je vous dis à tous. Je vous souhaite à tous, plutôt, c'est plus français, une bonne soirée et une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. C'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde!